Alors avant de commencer, petit casse à Vlober qui est vlogueur. Ah, c'est un truc de fou, il est vlogueur, je t'assure. Non, je déconne, bien entendu. En attendant, petite dédicace. Et aussi, petit casse à Astro. Tu vois, le Astro, Astro, Astro. Astro. Enfin bon, attendant, petit dédicace. Alors juste avant de commencer, petit casse au clan de Dragon Wars, donc son hashtag c'est 22J29C02. Ouh, faut respirer un petit peu, donc moi je vous donne tout de suite, c'est parti. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour contre Santiago, Ariel, qui est niveau 9 et ça, t'en fais plaisir. Enfin, ouais, plus ou moins. Donc, alors petit sourire, petite bonne chance. Donc on va mettre, allez, pourquoi pas de la Valkyrie. Donc ce deck n'est pas moi, ce deck est un Mehdi 77 Bat Pro. Et donc du coup, bah, on va tenter de gagner avec, malgré que ça me paraît très difficile, vu les troupes, comment elles sont pas du tout élevées. Vous avez vu mes troupes un petit peu, comment elles sont pas élevées, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade mental. Donc on va tenter de gagner un petit peu ce game. Comment, je sais pas. Déjà on a ce qu'il faut pour le dragon de l'enfer, c'est déjà pas mal. Mais lui aussi a ce qu'il faut pour nous contrer, donc ça fait très mal. On va peut-être plus prendre ça. Et pourquoi pas ça derrière, ça peut passer. Ça peut passer, ça peut passer. Ou pas du tout. Ça fait rien du tout. Vous avez vu comment ça fait rien du tout. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, moi je dis non. Oh, oh là 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 là. Mais non, mais c'est sérieux quoi. Mais comment c'est possible. Mais tais-toi. Je prends mon deck principal, tu t'aurais même pas touché ma tour, mon gars. Non, mais ça m'énerve, les gens, ils croient qu'ils sont bons et tout, mais ils ont que des decks teupérés. Donc, franchement, son dragon de l'enfer, là, c'est... Ah, mais, en fait, il aurait pas le sorcier de glace, tu vois. Ça passerait, mais là, non, non, je peux pas. Il te manque un truc. Ne serait-ce qu'un petit golem, là, un bon golem, ça serait génial. Tu fais quoi avec ton miroir? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Comment t'arrives à jouer avec ça? Comment tu joues ton miroir? Tu joues double Valkyrie cochon ou Valkyrie double cochon ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Comment est-ce que tu joues? Ça doit être hallucinant quoi. Alors on va tenter de mettre ça. Gars, le problème c'est qu'il y a son sorcier de glace aussi là. Ah, et sa boule de feu, sérieux. Bon, ça va, là on a bien défendu, ça fait plaisir. Attendez, on va tenter de mettre... Attends, c'est pas possible qu'on puisse pas gagner comme ça. Ah, mais aussi, il met son truc, là, ça me... Ça me... ah oui, c'est vrai qu'il a son sort de zap, c'est vrai. J'avais oublié le sort de zap, on va tenter de faire du Valky cochon. Et pourquoi pas prendre une boule de feu au cas où, on sait jamais. Au cas où. Ouais, ok, on va mettre ça. Ça va rien faire, mais c'est pas grave, on s'en fout, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Ok, ça passe. Pas du tout, même pas un petit peu. C'est génial, c'est le kiff total. Non, j'adore, je kiffe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Et pourquoi pas. Et bah, pourquoi pas se faire dézinguer aussi. Ça, c'est de la balle, j'adore me faire dézinguer. Depuis que je suis tout petit, je... Ah, franchement, j'adore me faire dézinguer. Je fais, tu peux me dézinguer, s'il te plaît. J'adore, je kiffe, vas-y, c'est gratuit. Non, franchement, les gens, ils disent pas non. Ouais, donc, si tu pouvais éviter de me défoncer ma tour. Ok, d'accord. Ton deck est vraiment impossible. Hein. Non, impossible. Viens pas me dire, mon deck, il est puissant, wesh. Arrête, c'est toi qui sais pas jouer. Non, je veux bien que j'ai des troupes qui sont vraiment pas élevées. Ça, c'est vrai que je peux pas vous le cacher, mes troupes sont pas élevées du tout. Hein. Vous avez bien vu, hein, les troupes ont vraiment des niveaux un petit peu bas. Mais, venez pas me dire que ce deck est puissant, quoi. C'est impossible. Du moment où tu dois défendre en face, ne serait-ce que de l'aérien déjà, là déjà tu sais que tu vas être mort parce qu'il y a rien qui peut tanker. N'empêche, je viens de me dire que je suis un peu débile. Parce que si j'étais un petit peu plus intelligent, j'aurais utilisé la Valkyrie pour le sorcier de glace. Ah, c'est pas con ça. La Valkyrie contre le sorcier de glace. Du coup, après, mes hordes de Garkou, ils seraient restés en vie. Du coup, ça avance. Je mets mon cochon. Et je défonce. Mais je suis vraiment teubé, hein. Eh, j'en suis sûr que ça aurait fonctionné. Après, il avait quoi d'autre, déjà? Ah oui, non, il avait le sort de zap. Il avait la boule de feu. C'est ça qui cassait les steaks, aussi. La boule de feu. Ouais, sort de zap, boule de feu, le mec. Ah, il se prive de rien, le mec. C'est. Mais malgré tout, ça aurait pas été con. Putain, mais franchement, mais c'est moi qui réfléchis pas aussi. Je suis désolé, c'est moi qui réfléchis pas. Mais bon, bah, ton deck, il est pratiquement impossible à utiliser. Hein. Il manque un
quelque chose de puissant, tu vois. Enfin, non pas de puissant, mais de résistant, tu vois. Je sais pas, un géant, par exemple, un bon petit géant, tu vois. Un bon truc, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué. Bon, en attendant, du coup, je vais essayer sur ce. Voilà, donc on se termine la journée tranquille. Ouah, petit dieu. Tranquillou avec un bon petit deck. Donc du coup, bah, moi je vous dis à demain, du coup, voilà, donc je vous dis à demain, c'est vendredi normalement, si tout se passe bien, donc on se fera 3 petites attaques, donc demain, voilà, donc comme d'habitude à la même heure, hein, 6h30, 5h, 3h et 5h, et donc du coup, bah après on souhaitera un bon week-end tout simplement, et puis voilà, donc du coup moi je vous dis sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, moi c'était cool.